Bien, il ne s'organise pas vraiment aujourd'hui l'écosystème numérique européen. On se rend compte que dans chaque pays, il y a des initiatives, mais que les grands patrons d'entreprises technologiques européennes ne se rencontrent pas forcément. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut améliorer et sur lesquels, chez OVH, Octave Klaba a décidé de travailler en essayant d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs européens qui ont déjà une certaine superficie, avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, pour essayer de comprendre comment ils ont fait pour faire grandir leur entreprise en Europe et dans le monde, et arriver à trouver la méthode européenne pour faire grandir nos entreprises aussi chez nous, et pas seulement comme aux États-Unis une méthode californienne ou une méthode chinoise, mais vraiment définir la méthode européenne qui porte aussi nos valeurs. Donc pour l'instant ça n'existe pas, mais c'est à travailler et il y a pas mal d'initiatives qui foisonnent, donc je suis plutôt optimiste sur le sujet. Pour pouvoir arriver à faire émerger une offre qui corresponde à l'Europe, à nos valeurs, il faut d'abord définir quelles sont les valeurs qu'on veut pousser. On a vu récemment avec le règlement sur la protection des données qu'on a fait un choix qui était d'instaurer ce règlement et de dire si vous voulez faire du business en Europe, il faut appliquer ce règlement et ce standard-là de niveau de protection des données personnelles. Ben, je pense que c'est exactement la bonne méthode, c'est-à-dire définir comment est-ce qu'on veut vivre ensemble en Europe, quelles sont les règles qu'on veut voir appliquer, mettre des normes et imposer aux entreprises qui veulent commercer chez nous de s'y adapter. C'est un élément d'influence interne en Europe parce que ça va permettre de hausser ces standards, mais également externe. Et on se rend compte, notamment avec ce règlement sur la protection des données, que plusieurs entreprises ont décidé de l'appliquer mondialement. Parce que le consommateur qui reçoit un produit qui est donc plus vertueux, il est aussi citoyen, donc il l'apprécie, et tout le monde est interconnecté, donc ça fait un effet de propagation qui fait que dans le monde entier, ça va s'appliquer. Donc je pense que cette méthode-là, qui est de définir des standards, de les voir appliquer par une norme, et ensuite de promouvoir politiquement les effets de cette norme sur nos citoyens et sur nos conditions de vie, est une bonne méthode. Pour réussir à créer un écosystème numérique européen, il faut essayer de simplifier la vie des entreprises. Une entreprise comme BlaBlaCar et son fondateur Frédéric Mazella en parle souvent. Quand on veut faire une course sur BlaBlaCar de covoiturage, ça ne s'arrête pas aux frontières des pays. Donc quand il s'agit de passer un pays à un autre, il y a des taux de TVA différents qui s'appliquent. Et donc quand il s'agit de coder une application, parce que ben, derrière, il y a des couches très concrètes, aux États-Unis, vous savez, tout le continent, vous codez une fois et c'est parti. En Europe, il faut faire dans chaque pays, ça complexifie les choses. Donc, dans ce cadre-là, cette harmonisation, notamment fiscale, mais également sur un autre ensemble de normes, permettrait de créer une vraie Europe. C'est un peu un vœu pieux, mais c'est raconté à multiples reprises, mais c'est sur ces aspects-là, je pense qu'il faut travailler.